C'est parti pour cette Coupe du Monde. Oui, ce centre, second poteau. Et l'ouverture du score pour l'Australie. Et c'est Goodwin. Hernandez qui remet ce ballon. Celui-ci est vrai. Celui-ci est bon. Théo Hernandez qui a marqué la tête d'Adrien Rabiot. Oh, allez, Adrien Rabiot. Oh, Giroud. Oh, Giroud du pied droit. Voilà, ça fait 2 buts en 5 minutes. Et l'équipe de France qui repasse devant. Et Olivier Giroud. Et les... voilà, qui lève ce ballon. Centre de Mbappé, Giroud 51. Monsieur Giroud, le doublé. Et là, c'est terminé. C'est bon. Bravo Olivier Giroud, bravo aux Bleus, surtout d'entrer solidement dans cette... Et le coup d'envoi de ce France-Danemark. Allez, Swan Dembélé, le pied gauche, cette fois-ci. Et Kasper Schmeichel. Du hors-jeu, le centre de Hernandez. Y a-t-il hors-jeu? Peut-être pas. Pour l'instant, le drapeau ne s'est pas levé. Pour l'ouverture du score, de qui? De Kylian Mbappé. Il va chercher l'égalisation. Et l'égalisation, elle est signée. Il va lever ce ballon. Kylian Mbappé. Le doublé. 86e minute. Marcignac qui libère les bleus qui s'imposent 2-1. Mbappé et les siens sont en 8e de finale. Et le pire, ce serait la faute maintenant. Ah ouais, elle coûte très très cher cette perte de balle de Youssouf Fofana, parce que derrière, le talent de Walid Yazri fait la différence. France-Pologne donné par Olivier Giroud. Quelles sont les inspirations de Griezmann? Et je peux t'aider. Boloris n'a pas pu anticiper du bon côté. Terminé. En tout cas, il a sifflé la fin de cette rencontre. Et les Français d'Olivier Giroud sont en quart de finale, Vicente. Et c'est parti. Ce dernier quart de finale. Derrière lui, Tchouaméni. Oui. Et pourquoi pas, ouais. Est-ce qu'il bouge beaucoup sur sa ligne et ça passe pour Harry Kane. Le deuxième but pour Kane dans cette Coupe du Monde et l'égalisation pour l'Angleterre. Battre le fer quand il est chaud. Oh ouais, passeur décisif, Antoine Griezmann. Et putain, Olivier Giroud. Oh, oh, il a mis trop de puissance et ça passe largement au-dessus de la transversale. C'est bon. C'est bon. C'est terminé. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Les champions du monde sont là. Peut-être à deux matchs de garder leur titre en attendant. Ils affronteront le Maroc en demi-finale. En deux temps, non, il ne pourra pas, si, finalement. Et en second poteau. Oh, en second poteau, qui est là encore, Théo Hernandez, qui était plus haut que tout le monde sur ce premier match.
Youssouf Fofana. Oh, oh, ils sont 5 autour de lui. Allez, ouais. Le second poteau, le premier ballon de Randal Kolo Muani rentré il y a 30 secondes. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Didier Deschamps, Di Stéfano, Kylian Mbappé et tous les autres vont aller défendre leur titre de champion du monde contre l'Argentine. Dans cette finale, Argentins, ils sont trois dans la surface de réparation. Loris, oh, ouais, c'est sauvé. Non, c'est rentré. Allez, c'est remis. C'est fini. C'est tiré. Oui. Martinez. Oh là. Oh là là. Et ça passe. Et ça passe, et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la troisième fois. De la tristesse et de l'exploit qui se refuse au dernier moment. Ils n'ont pas gagné, mais les Bleus reviendront. C'est sûr, les Bleus se relèveront très rapidement. Il le faudra pour aller à cet Euro en Allemagne, qui sera une immense compétition.